on se trouve dans le dortoir. Il y a deux chambres. Bon, elles ont toutes des albums photos de leurs amis, de leur famille et surtout de leurs parrains. Le fait qu'il y ait un parrain au bout du monde qui pense à elles, c'est très important. Bon, elles savent que les parrains prennent en charge leur scolarité chaque mois, mais les encouragent, les motivent à aller à l'école. C'est un élément de reconstruction aussi. C'était vraiment traité comme des chiens, comme des esclaves ou comme des chiens, enchaînés, battus. Tout est à réapprendre. Ok, là, les chindéans commencent à. Ok, là, ça compte, voilà, on sait que ça supporte ça compte. Nang budlay gid nga wala sang mega atipan sa imo kag budlay nga wala mega palangga. Budlay nga way may kapaiskwila sa imo, kag budlay nga wala may kakainchindi sa imo. Bye! Toutes les deux, elles sont sœurs, elles ont passé 3 ans à Caméléon et on les a réintégrées avec leur grand-mère et dans cette jolie petite maison, parce que c'est le but de l'association, hein, de les réintégrer. Your grandmother here. On a financé cette partition-là, cette partition. Avant, il n'y avait qu'une pièce. Souvent la promiscuité, ça incite, on dira, malheureusement, hein, mais bon, à ces abus sexuels. Donc, quand il y a des adolescents dans la famille, quand le père est très présent, on veille à ce que les filles aient une chambre séparée pour éviter tout risque. I'm feeling safe. Yes? I'm feeling safe. When I'm sleeping in the night, I close that door. Là, on est au palais de justice d'Iloilo. Notre jeune fille est en procès depuis 3 ans. Son grand-père l'a violée de multiples reprises. Et comme toutes les filles de Caméléon, eh bien, on entame le procès. Ça peut prendre jusqu'à 8 ans. C'est un long procédé et douloureux pour l'enfant qu'on doit préparer, protéger pour venir ici, puisque souvent elles sont menacées. Et puis soutenir moralement, parce qu'à chaque fois, c'est un traumatisme de se retrouver en face de l'agresseur et puis de répondre.